Bon, ben voilà, je me présente, je m'appelle Gérard Stéphane. Je suis chef au restaurant La Tour que j'ai ouvert fin juin, début juillet. Mon parcours il a été un petit peu, disons, traditionnel. J'ai commencé par un apprentissage, j'ai fait cette de la GAP. J'ai fait des stages dans de grandes maisons comme le Stéphane Bérard, La Tour d'Argent à Paris. Après avoir commencé à payer mon BEP, j'ai fait mon service militaire. J'ai été cuisinier particulier du commandement local de la région PACA. Sur ce, je suis monté à Paris. J'ai retravaillé de nouveau La Tour d'Argent. La vie parisienne n'a pas pu plus que ça, donc je suis revenu dans le sud. Après avoir prolongué dans différents restaurants comme La Ferme, Le Chevron Provençal, j'ai tenu une affaire familiale qui est chez lui, le Mistral. C'est mon beau-frère qui a été en premier lieu mon maître d'apprentissage et qui m'a donné le coup à la cuisine. Voilà, suite à ça, j'ai pris le bâton en main, j'ai créé ma propre affaire qui était du côté de la rue de la République à Marseille, que j'ai gardé 12 ans, où j'ai réussi à faire venir des grands comme Pierre Arditi, qui était quand même mon ami. Malheureusement, Bernard Giraudon qui nous a quittés, qui était le parrain de l'affaire. Alors j'ai eu l'occasion de vendre mon restaurant, je suis parti à Shanghai. Là nous avons créé avec un ami une pâtisserie française. Et aujourd'hui je me retrouve à Vitrolles où je suis très heureux parce qu'on est dans une zone industrielle avec un gros potentiel. J'ai un outil de travail qui est très sympa, qui est au bout du jour, qui me permet de m'exprimer dans ma cuisine. Et voilà, mais à ce jour j'espère que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour réussir. Je vais mettre tous les atouts de mon côté. Et j'espère qu'on va vivre de beaux jours, encore quelques années. Et j'en profite aussi, je vais conclure, je vais en rester là d'ailleurs, pour remercier tous les clients qui m'ont fait confiance pendant plusieurs années, qui me suivent aujourd'hui, qui continuent à venir. J'ai réussi à les déraciner de leur Marseille et à ce jour, j'en reçois quelques-uns à Vitrolles. Et ça me fait très plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et je remercie d'avance tous les clients qui découvrent leur restaurant, qui découvrent ma cuisine. Et je les remercie de leur fidélité et grâce à eux, je pense que je vais pouvoir avoir un parcours un peu plus long. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Le temps du monde.